garçons, nous voici de retour à la maison après un fol après-midi à Happy City. C'est super. Ah oui, c'était super, vous êtes bien amusés. Et qu'est-ce que vous avez ramené alors? Des surprises. Plein de surprises. Je vois des capsules, je vois des bonbons. Oh là là. Alors combien il y en a en tout? Il y en a 7. 7 capsules, 3 et 2 bonbons. Alors sur les 7 capsules, je vois qu'il y en a 3 grandes et 4 petites. Alors qui c'est qui ouvre les surprises en premier? 1, 2, 3 papiers ciseaux. Bon. 1, 2, 3 papiers ciseaux. Néo, c'est vraiment... Tu perds tout le temps à ce jeu. En fait, je sais même pas pourquoi tu proposes ce jeu, puisqu'à chaque fois, ça se passe pas bien pour toi. Alors, quelle est la capsule que tu veux ouvrir en premier? Celle-ci? Alors celle-ci apparemment je crois que c'est Plante vs Zombie. Hein, c'est le jeu, l'application en fait. On va voir ça. C'est bon, tu peux l'ouvrir. Tu veux que je t'aime? Allez, oui. Petit effort. Ah, Léo a trouvé un système pour les ouvrir. Alors. C'est quoi? C'est celle-là? Ah, le piment. Mais vas-y, tu sors ton étui. Et puis après, je le présenterai aux copains et aux copines. Encore? Ah, c'est ça le rôle du grand frère, hein? C'est quoi le petit récipient blanc, là? On dirait un biberon. C'est quoi? Il y a des billes dedans. Il y en a 60. Des billes? On lui met des billes dedans? Oui, et ensuite il tire. Ah, d'accord. Mais les billes, elles se mangent ou pas? Non. Ah, d'accord. C'est pour tirer sur les zombies, oui, c'est ça? D'accord. Voici le piment, qui a l'air un petit peu en colère d'ailleurs. Et donc là, on l'a armé, il y a des petites billes à l'intérieur. Attention. Ping. Ping. Dis donc, c'est violent, hein? T'es content de ton piment, Swan? Oui. Ah, tu vas pouvoir attaquer les zombies. Néo, c'est ton tour? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as là? J'ai un œuf. Un œuf, oui. Enfin, une grosse capsule. Moi aussi, c'est un truc pour les zombies. Ah, c'est pas la même plante, je crois. Hein. Moi, c'est une pastèque. La pastèque. Les copains et les copines, on ne sait pas si vous connaissez ce jeu Plants vs Zombies. Enfin, Plants vs Zombies. Bon, on pense que oui. Hein, c'est une application qui est quand même très connue. En tout cas, nous, on adore. Hein, et on y joue tous. Même Swan. Même Swan, il joue à ça. Il adore ça. Je joue à ça pour m'occuper du jardin. Hein. Oui, c'est vrai, tu t'occupes du jardin zen, tout à fait. Alors, c'est le même principe que le piment, on met des petites billes. Voilà la pastèque qu'a obtenue Néo. Sympa, hein? C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la vraie dans le jeu Plante vs Zombie. Alors, attention, elle est armée, c'est parti. Voilà, attention. Boing. Encore. Boing. Et voilà, pour Néo. C'est au tour de Swan d'ouvrir une surprise. Celle-ci? Alors, vas-y, encore une grosse capsule. On appuie fort. Oh, petit souci. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Un avion. Un avion. C'est aussi Plante vs Zombie? Non, pas là. Non, par contre, c'est un peu la même matière. La même matière. Ah, ben là aussi, il y a une petite boîte avec des billes. Ouais. C'est pareil, on va armer l'avion et il va tirer les petites billes en plastique. C'est marrant ça, dis donc. Voici le petit avion. Alors, même principe que pour la pastèque ou le piment. On arme et on tire. Attention. Touk. Oh. Ping. C'est à qui maintenant? À moi. Alors, qu'est-ce que tu veux ouvrir? Je vais ouvrir ça, pourquoi pas? Bon, bah vas-y. C'était quoi ça déjà? C'était le truc gluant, la sorte de cerveau. Oh, formidable. Super cadeau. Un truc gluant avec un cerveau. Bah, ça peut faire un espèce de zombie sur lequel la pastèque et le piment vont pouvoir tirer, ainsi que l'avion. Ouais. C'est collant? Ouais. Le cerveau est un peu collant. Voilà l'autre surprise de Néo. Oui, c'est une tête bizarre avec un morceau de cerveau sur le dessus. Ah, c'est super. Et apparemment, on peut mettre des trucs dans le cerveau. Je sais pas, c'est un peu vide. C'est bizarre quand même, hein. Et comment on fait? On lance ça? Alors, comment vous trouvez ça? Très agréable.
Allez, Swan, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux ouvrir comme surprise? Quelque chose de plus gluant que tout à l'heure. Encore plus gluant? On va voir ça. Néo, tu peux lui donner un coup de main? Ouais, c'est s'il te plaît. Gluant. Encore plus gluant. Alors, on va voir si c'est encore plus gluant. Ça a l'air, hein. C'est une main, Swan. Une main verte. On va voir ce que c'est. Ah oui, c'est gluant. Je confirme. C'est même très gluant. Ah, mais j'avais ça quand j'étais petite. Je me souviens. J'avais eu un truc horrible comme ça, moi aussi. Affreux. Et voilà, on le tenait comme ça. Et après, on faisait splatch, splatch, splatch. Et ça se collait partout. Ah, c'est exactement le même. Attention, lancer de main gluante. Est-ce que vous êtes prêts à réceptionner? Touché. Attends, la main, ça colle de partout. Oui, hein. Sur Swan. Ouais. T'as même réussi. Voilà. À attraper le bonbon. Oh, attention. Combat de choses gluantes. Merde. Quel est l'animal qui a une langue comme ça? Le caméléon et la grenouille. Eh ouais, tout à fait. C'est marrant. Néo, te voilà devenue une grenouille. Ton rêve se réalise. Tu peux enfin attraper les bonbons avec la langue. Fetch. Qu'est-ce qui reste comme surprise à ouvrir? Ça. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? C'est ton cadeau. Ah, mon cadeau. Donne, donne, donne. C'est bon, moi. Ah oui, c'est mon bracelet. Ouais. Gentiment offert par Néo. Et voilà mon cadeau. Waouh! Un joli bracelet, très sympa. Rose et vert, oui, ça me va bien. Donc bracelet élastique, évidemment. Hop. On va tout de suite l'essayer. Waouh, super. Très joli. Merci encore Néo, vraiment. Hein. C'est sympa comme tout. Je suis gâtée. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir? Ça? C'est quoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Alors, on l'ouvre? D'accord. Ah oui, ça y est, ça me revient. Je me souvenais plus ce que c'était. Tu te souviens, Swan, c'est quoi? Ah oui, ce sont les dents horribles. Oui, ce sont les dents horribles. Vas-y, mets-les. Oh! Tu as des belles dents toutes neuves, Swan. Formidable. Est-ce que tu es content de tes nouvelles dents? Il n'ose plus parler. Vous avez ouvert toutes les capsules? Il reste ça. Ah, il reste les bonbons, bien sûr. Donc, dans le paquet mutant, apparemment, il y a des petits bonbons. Bon, on va voir ça. On pensait au départ qu'il y avait une poudre, mais a priori, ce sont bien des bonbons. Hein. Alors... Oh, c'est des boules en fait. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que c'est du chewing-gum ou est-ce que ce sont des bonbons? Alors, j'ai testé pour nous dire. Je vais prendre la rose à l'air. Alors, je veux bien tester moi aussi, hein, comme tu me le proposes gentiment. On prend un gros bizarre. Gros bizarre? Et c'est pas tous les mêmes, hein? Celui-là, il y a un petit peu gros bizarre. Ah oui, on dirait flageolet. Alors, effectivement, ce sont des petites billes de toutes les couleurs. Et puis, il y en a un qui n'est pas pareil. On dirait plus un flageolet. Je vais tester celui-là. Non, c'est pas un chewing-gum. Hein. C'est bien un bonbon. Donc, Swan, si tu as envie, tu pourras aussi en manger. Mais c'est quand même très, très dur. Et comme c'est en forme de bille, j'ai un peu peur que tu l'avales. On va voir plutôt pour l'autre bonbon qui m'a l'air plus mou. Et l'autre bonbon, alors, tu nous montres? Serpent. Serpent en bonbon. Swan est très content de sa langue collante. Un joli serpent adopté. Ah oui, la vidéo qu'on avait faite avec le plus gros serpent du monde en bonbon. Il est un tout petit peu petit. Un poil plus petit. Un poil plus petit. Est-ce que vous vous souvenez, les copains et les copines, de cette vidéo? On vous met le lien là au-dessus des garçons. La vidéo du plus gros bonbon en forme de serpent. Mais Swan en avait un aussi d'ailleurs. Ouais, de taille moyenne. Il y avait deux serpents dans la vidéo, regardez bien. Voilà ce serpent en bonbon. Il est beau, hein? Il a l'air appétissant, hein? Alors, on va déguster ce serpent. C'est bon? Pauvre serpent, attaqué de toutes parts. Ça va? Ça vous plaît?
Mmh. On se régale. Je veux bien un petit bout du serpent moi aussi. Hein. Là encore, je sens qu'on ne me propose pas. Bah t'as perdu ton truc maintenant. C'est où il y a atterri? Il y a atterri dans le sac. Alors les garçons, ça y est, vous avez ouvert toutes vos surprises? Ouais. C'était bien? Super. Quelle est la surprise que vous avez préférée? Moi, le piment. Ah, le piment qui lance des petites boules en plastique. Et toi, Néo, pareil, mais pour la pastèque? Ouais. Bah sympa, vous allez pouvoir faire des batailles. Ouais. Ah, très bien. Les copains et les copines, quelle est la surprise que vous avez préférée? Dites-nous les commentaires. Pensez au pouce bleu. Et surtout... abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. Bye bye les copains et les copines. À bientôt tout le monde. Et au revoir. Doucement, Joanne. Heureusement que la pastèque, elle peut lancer des choses, hein.